On va aller voir Dominique justement pour voir s'il peut faire à la moissonneuse et voir s'il peut en trouver. Comme tu vois, comme tu m'as dit tout à l'heure aussi. Bah ouais, c'est ça. Bah du coup, on a vidé tout ça, il n'y avait pas grand chose. Je te laisse juste remettre la buse normalement et ouais, la moissonneuse et tu montes avec moi. Vas-y. C'est bon ? Vas-y, okay. Vas-y, je t'attends. D'accord. Je vais poser la petite classe Lexion 530. Bah ouais, 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 carrément. 310 chevaux, 4500 heures, une barre de coupe de 6 mètres. Ça nous changerait la vie, ça quand même, hein, Dylan. Bah ça c'est sûr que c'est pas la même chose qu'on a là-bas. Je vais aller voir. Oh finesse, en plus à barre de coupe et tout. Ah ouais, c'est parfait ça. Ouais, chariot barre de coupe. Et le problème là, c'est le prix quoi, elle est à combien? Actuellement dans ma tête elle est à 80 000 euros. Dylan. Ouais, vas-y, ramène-la et puis je vais terminer le pressage et puis on aura fini pour aujourd'hui. D'accord, ok, pas de soucis, bon bah je ramène ça alors. Vas-y, à de suite. Allez, on va ramener la presse à balle à la ferme. Normalement, Dylan a déjà ramené la moissonneuse. Il est parti un petit peu avant moi. Faut que je revienne chercher aussi la petite benne remplie de blé. On va la stocker du coup au silo. On va tout mettre dans le silo. Et puis, ce sera parfait comme ça. Faut aussi que je veille avec... là, je pense qu'il doit être dans la maison. Pour ramasser aussi toutes les bottes. Normalement, il y a le plateau qui est derrière, là-bas, dans la QAO. Faudra qu'on voie ça pour ramasser ça. Et puis on épandra aussi un petit peu du fumier, je pense, avec le farmtech là. Parce que malheureusement on a que ça pour l'instant. On épandra un petit peu parce que là les rendements c'était tellement nul, ils étaient vraiment nuls. C'était vraiment pas du tout à refaire, faudra qu'on fasse gaffe. Bah du coup déjà on mettait un petit peu du fumier, j'ai vu en plus qu'on en avait beaucoup trop. Donc il faudra qu'on voie ça. Hop, bon allez, on va la laisser là, après ça balle. On va descendre. Hop. Nickel. La goupille, c'est bon. Hop, c'est bon, c'est parfait. Je vais retourner chercher la benne. On va la vider et puis c'est parti. Allez, on ouvre ça, on va atteler ça par la même occasion. La goupille, c'est bon, tout est parfait. On va fermer la porte, c'est bruyant aujourd'hui. Allez, parfait. Comme ça, on n'a pas de temps à perdre. On va tout de suite, normalement, Dominique devrait nous ramener aussi le déchaumeur. Normalement ce soir, on l'essayera par la même occasion. Je sais pas si on aura le temps de terminer le champ. Mais comme ça, on verra un petit peu ce qu'il vaut. Et peut-être par la suite, pourquoi pas en commander un. Parce que là, c'est juste pour tester. En plus, pas très très longtemps. D'après ce que j'ai compris. Donc, il y a d'autres agriculteurs qui veulent aussi l'essayer. Ce qui est totalement normal. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a. D'ailleurs, la capacité de la benne, elle n'est pas énorme. Là, il m'écrit 25%. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est pour ça qu'il va falloir vite qu'on se grouille au niveau... du rendement, parce que là si ça continue comme ça, là on va droit dans le mur, c'est vraiment pas bon. Après heureusement j'ai pas que celui-ci de champ quand même, mais bon la plupart des champs j'ai pas mal de mauvaises herbes, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Alors logiquement hop voilà, c'est bon, parfait. Ça a de Ben, franchement elle est super sympathique, franchement une marque que je connaissais pas trop, mais elle vaut vraiment être connue pour le coup. Je crois que je vais la dételer ici, hein. On va pas s'embêter la vie. On va la laisser sur l'espace de pour vider les semences. Hop, on va reculer. Voilà, parfait. Hop. Voilà, ça devrait le faire. Allez, on va la dételer là. Parfait. Bon allez, on va voir Dylan s'il a terminé de boire son petit café. Ah bah il est là, le v'là. Et comme ça, je vais pouvoir lui dire un petit peu ce qu'on a à faire. Ouais, Dylan. Ouais, attends, je fais la voiture vite fait. Vas-y, vas-y. Hop. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Salut mon petit Dylan, enfin du moins heureux. Tu sais, on a le petit plateau là, on a fait les bottes du coup et on va les ramasser. Parce que du coup après, on va y perdre un petit peu du fumier là, on a beaucoup de fumier. Ah, tu veux pas le fumier aujourd'hui? Ouais, ouais, parce que t'as vu au niveau du rendement, c'est laisse tomber quoi. Il y avait 25% dans la benne, c'est que dalle. Ouais, après c'est la période de toute façon. Donc, bon, bah ouais, c'est sûr, ouais, mais bon, on va essayer de faire mieux. Donc le plateau il est là. Là, juste derrière dans le château d'eau là. Je l'avais mis là. Il est à côté là. Ouais, il est juste à côté. Ah ouais, il est vraiment dans les herbes. Ouais, dans les herbes, ouais. Du coup, je vais l'atteler. Écoute, moi, je te laisse prendre le petit massé là, le petit Manitou quoi. Ouais, le petit Manitou, ouais, je dois faire quoi? Et puis, du coup, on se donne rendez-vous au champ. C'est quel champ du coup? Le champ, tu sais, qu'on a fait tout à l'heure quoi. Ouais, je vois. Là où il y a la presse, ouais. Ouais, ok, d'accord. C'est bon? Vas-y, on fait ça. Bon, allez, à de suite. Vas-y, à de suite. Allez, activité à 6 billets. Ouais, du coup, c'est bon, tu t'attelles le plateau, toi? Ouais, ouais, j'attelle le plateau, t'inquiète. Vas-y, okay. On se donne rendez-vous là-bas. Bon, il est là-bas, ouais. C'est bon. Ok, pas de soucis. Bah, allez, ciao, ciao. Hop, parfait, on va fermer ça.
Du temps qu'il active sa CB, on va aller atteler ça. Donc on va essayer de pas trop galérer. J'espère que l'herbe a pas trop poussé, parce que là où je l'avais placé, ben, j'avais pas trop de place dans la ferme. Bon, normalement ça devrait le faire. C'est là où on a notre petit fourrage, là, notre petit stock à eau. Allô, allô. Ouais. Vas-y, c'est bon, C'est bon, parfait. à galérer un peu là, mais bon, on Bon, y va. c'est bon. Ouais, du coup, vas-y, bah, je vais te suivre, hein, je crois. Vas-y, Hein. ouais, bah, là j'attelle, là je vais descendre, du coup. Et après tu me suis, de toute manière tu connais, hein. Tu Bah, connais, tu vas-y, bah, connais. je vais te suivre en cas Bah, t'es au moins. vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je descends, ouais, 2 secondes. Vas-y, je reviens. Ouais. Hop. Ah, et ça c'est parfait. La béquille, là, elle a toujours un petit problème. Bon, là ça va encore parce que le terrain est un petit peu en pente, mais c'est vrai que quand on est sur du plat, c'est un petit peu la misère. Surtout que là, pour remonter, quoi. On va mettre les gyros. Hop, c'est parfait. Voilà, le voilà. Voilà, suis-moi, Dylan. Ouais, je te suis, y a pas de soucis, vas-y. De toute manière, c'est juste là. Normalement, il n'y a pas beaucoup de bottes en plus du rendement là, donc ça Ouais, il n'y en devrait a pas être beaucoup, je crois rapide. qu'il n'y en a pas, ouais. Donc ça va, tranquille. Il va falloir que j'appelle aussi Domi, parce que je sais pas si. Faut que je le joigne là pour voir un petit peu s'il compte m'amener le dé chômeur et tout. Donc Ah on bah va il y a des essayer de chômeurs, l'appeler. hein, il y en avait besoin Et aussi, ouais, hein. le petit cune là, comme ça on essayera du coup. Bah, un petit peu avant, parce que là il est 4h, on a encore le temps tranquillou Ouais, il est de 4h, il y a le finir. temps. Ouais. Je vais me mettre en pente là, ça sera mieux. Ça sera déjà un petit peu moins galère, je Ouais, pense. mets-toi en pente, ouais. Ouais. Je vais éteindre le moteur et vas-y, je descends. Vas-y, pas de soucis. Vas-y, je coupe ça. Hop. Soit on le ferme tranquillou. Bah, du coup, je vais le laisser commencer tranquillement. Ouais, Dylan. Ouais, attends, j'ouvre la fenêtre. Ouais. Elle est bien, cette... Voilà, c'est bon. Ouais, elle est un petit peu grincée et tout. Ouais. Je te laisse commencer un petit peu à charger. De toute manière, il n'y a pas beaucoup de bottes là. Il doit en avoir Il n'a 6, pas ouais, peut-être. d'armes. Bah, au Ouais, pire, ouais. appelle Domi pour ce temps-là. Ouais, je vais l'appeler, ouais, justement. Je vais l'appeler, D'accord, je vais ok. l'appeler. Ok, pas Bon, de soucis, je ouais. m'éloigne un petit peu pour le bruit. Vas-y, ouais, pas de soucis, Vas-y, ouais, ça va bon faire un peu de courage. bruit, ouais. À la Si t'as plus tard, besoin ouais. d'aide, n'hésite pas. Ouais, besoin, je t'appelle au pire. Ouais, vas-y, ouais. À la plus tard. Allez, à tout. Alors, Domi. Hop, on s'éloigne un petit peu pour le bruit. Alors, Domi. Ça sonne, est-ce qu'il va répondre? Oui, allô? Oui, Domi, ça va? Ça va et toi? Ça va, depuis tout à l'heure, écoute. Je voulais savoir un petit peu aux nouvelles là pour le 7R avec le petit déchômeur, parce que là on a commencé justement à enlever les petites bottes. Du coup, je voudrais savoir un petit Ouais. peu quand est-ce que tu comptes nous l'amener. Là, il est 4h, vers 18h30, je Ouais, pense. 18h30, c'est parfait, écoute. Du coup, aussi, je voulais te demander, j'ai vu là la dernière fois que tu avais un petit Sodimac, un épandeur à Oui. fumier. T'es Ouais. occupé là ou pas au shop? Non, Non, pas il n'y a pas trop vraiment. de taf. Parce que ça aurait été cool, parce que ouais, comme je t'ai dit là, le Farmtech il est un petit peu vieux, j'ai peur qu'il nous lâche aussi. Ça Ouais. aurait été bien que tu viennes avec ton Sodimac si c'est possible. On a bien sûr le fumier et tout. Si tu aurais Non. pu au moins nous prêter ou épandre comme tu veux. Bon, moi, si tu veux, je peux épandre. Là, j'attelle l'épandeur, je fais un petit peu l'écrassage de base et Ouais. j'arrive. Ouais, parce que là on a quasiment terminé, en fait du moins Dylan a quasi terminé de charger le plateau. Donc ouais, ça serait parfait. Et puis après du coup, bah, dès que t'as fini, bah, tu peux nous ramener aussi le 7R, comme ça on déchambera un petit peu. Ouais, au pire, vous pouvez déchaumer derrière. Ouais, bah, c'est ce qu'on compte faire, ouais. Bah écoute, c'est parfait du coup, merci à toi. On se le dit à tout à l'heure, du coup tu viens dès que t'as Ouais. terminé, hein, te presse pas, t'inquiète. Hein, D'accord, ça tranquillement. marche. Au Et pire, dans le champ, là? pour le chargement, ouais on est dans le champ là, mais pour le chargement tu vas avoir besoin du massé, on est en train de s'en servir là, on te le passera. Ouais, au pire, je m'arrêterai au champ, au pire. Ouais, vas-y. Mais on a bientôt fini, tu sais, il reste encore 2 bottes et après on s'arrache 3 même. Du coup voilà. Ok, Bah écoute, ça marche. merci Domi et puis à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, c'est parfait, Dylan, il a bien taffé là. Bon, du coup, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. On va essayer de les attacher si c'est possible. Hop, on lâche la sangle. Ben là, je pense qu'il va en mettre une deuxième, donc on va pas l'attacher de suite. Ce petit plateau là, en tout cas, il nous sert bien. Malheureusement, enfin, ouais, malheureusement, la béquille est pas ouf, mais bon. Attendez, je vais le guider. Vas-y, avance, avance, Dylan. Ouais, Vas-y, attends, attends, encore, faut que je me encore. concentre un peu là. Ouais. Ah, bah, C'est le peut-être là, les demi. trois dernières bottes, celle-ci. Vas-y, Ah, il est vas-y. là? Ouais, il est là. Vas-y, tu peux pousser. Hop, c'est bon, tu peux poser. Parfait. C'est bon. Vas-y, je la lâche. Hop, vas-y, je vais dire bonjour à Domi. Je te laisse attacher tout ça, Dylan. Ouais, je fais ça, je fais ça. Vas-y, vas-y, parfait. Ah ouais, beau joujou. Ouais, punaise, t'es un Ouais. sacré joujou là.
Bah oui, c'est le nouveau du Mac que j'ai mis en Black Edition. Ah N'est-ce pas ouais, punaise. comme je te l'ai pas dit, comme la dernière ETA a fermé, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer en ETA plus dans les concessionnaires et Ouais bah ouais ça, en plus ça marche voilà. bien ici, on a pas mal besoin d'aide donc comme moi aujourd'hui. Comme tu vois là, tu vois on est pas mal débordé, en plus il va falloir prendre des choses derrière tout ça. Donc c'est sûr. Mais du coup écoute, rejoins la ferme là, on va te suivre du coup le Massé et puis l'autre Salut JD. Dominique! Ouais, salut Dylan! Et Comment ça puis... va? Ouais, toi? Ouah, avec, hein, t'as un bon joujou quand même là! Ah ouais, c'est clair, t'as vu Oui, ça? comme je disais à ton patron, je me lance en même temps dans le TA et pour l'instant je fais que des épandages de lisier et de fumier et après bah, je vais faire labour, préparation de sol, Tout labour, neuf, moisson, ensilage, bah Ouais, un peu de tout quoi! Ah ouais, c'est tout ce cool que je ça! pourrais faire ici. Même Ça c'est du bien, parce que bricolage. sûrement on risque d'avoir besoin d'aide, nous rien qu'à deux là on galère un petit peu parfois. Moi, on galère, on Mais en patauge, tout cas c'est patauge. pas mal, en plus le beau tracteur et tout là. Nous tu vois le 7R que tu nous as... Ah bah non mais tu ne nous l'as pas encore prêté. Mais tu vois le 7R que tu vas nous prêter, on s'en servira un petit peu pour faire tout aussi pendant une semaine. Alors pas Ah juste déchômer avec, t'inquiète pas pour ça. ouais, bah non, mais ça c'est juste. Là c'est la démo, mais là le tracteur et le Sodimac, là c'est à moi là. Ah ils sont quand même à toi, d'accord, ouais. Je pensais que le 6R non il était pas à toi. D'accord, autant pour moi. Vas-y. Bah écoutez, on va y aller les gars. Tu nous Bah suis? vas-y. Et puis on Salut. attellera aussi le godet sur le massé pour te charger le fumier et tu reviendras ici, c'est bon? D'accord, ça marche. Vas-y, allez, à tout de suite. Ouais, tout de suite. Vas-y, Dylan, tu peux Ouais. revenir dans ton massé aussi. On va monter Ouais. là-dedans. Allez, parfait. Hop, on ferme ça. On va démarrer. Activer les gyros. Je fais demi-tour par là. Waouh, je vais carrément passer, ouais, comme Dylan. On va pas s'embêter la vie là. Tant qu'on roule doucement pour pas trop abîmer. C'est bon, il nous suit, Domi. C'est parfait. Bon, en tout cas, il est sacré engin, hein. Oh là là. Un sacré truc. Il va falloir qu'on les décharge aussi. On va les mettre à côté des bottes bottes d'habitude. Mais moi, je vais passer par là. C'est pareil, ça sera plus pratique pour moi pour me ranger. Voilà, nickel. Alors, je sais pas si Dylan il va comprendre. Faudrait qu'il vienne, ouais c'est nickel. Moi je vais mettre là, on va décharger ça. On va lui, je sais pas si on, ouais on va lui atteler d'abord le godet et puis on déchargera les balles après. Je vais le laisser allumer lui, j'espère que je vais pas gêner. Enfin, il faut qu'il fasse gaffe de pas écraser le chien. Ouais Dylan, Ouais. tu ferais mieux de d'atteler le petit godet pour le fumier là. D'acheter le godet? Non, tu sais, ouais de d'atteler le petit godet à Ok. fumier là, juste là. Le Et c'est le gros là, lui à droite et ouais puis le ouais lui gros à là tout droite. au Comme ça, on lui donne directement, on lui charge le fumier. Et bout. ça Ok. sera plus simple, après on redéchargera tout ça. Vas-y, Vas-y, moi je je fais vais le ça. voir. Vas-y. Ah, le chien est toujours au milieu, lui. Mets-toi au bord, là. Punaise. Vas-y, vas-y, tu peux reculer. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, encore. Pas trop, ouais, parce que après, sinon, va falloir qu'il te charge. Encore. Vas-y, reste droit. Voilà, c'est bon, tu peux rester là. Ça devrait le faire là, normalement il devrait passer. Le massé il est pas Mais... très très large. C'est bon. Oh le chien il est saoul, il fait que bouger là, il écoute que dalle. Ah bah Normalement ouais, il c'est devrait pour ça que passer là. j'ai pas trop reculé quand même, j'ai Bah ouais préféré c'est le chien. ça ouais, au cas où. Ça serait dommage. Tu vois comme tu vois on a pas mal de fumier donc c'était le moment. Alors en plus avec le rendement pourri comme je t'ai dit. Laisse tomber, en Ah plus tant on a pas mieux. mal de vaches là donc ça produit pas mal. Ouais, t'es pas en 35 tonnes par hectare là? Non. T'es pas en combien, 30? Non un peu moins je crois c'est 25. Tu vas mettre 25. Ouais. Ok. Bah je reviens, je vais faire les réglages sur les pondeurs, mais Vas-y, vas-y, ok. vas-y. Tranquille. De toute manière, il y a le temps avant de te remplir tout ça. Ah c'est bon ça passe, c'est Veux nickel. voir un petit peu les commandes de les pondeurs? Ouais bah ouais carrément, vas-y. Demande-moi Ah tiens, ça. c'est le potier là. Hop. Ouais, je vois, ouais. Là, ce bouton-là, c'est pour ouvrir Ouais la la porte porte à derrière. l'arrière, ouais, la trappe, ouais. Ouais. C'est un peu le même Après, ça, principe sur le c'est... Farm Tech, hein, malgré qu'il soit plus petit. Ouais, après, bah, là, t'as la prise de force et quand tu rajoutes directement régime moteur. Et après, là, c'est tous les réglages de l'épandeur. Combien de tonnes par hectare? Ouais. Et je pense qu'il doit falloir quand même un sacré tracteur pour tirer ça, non? Bon, bah, là, j'ai pris le. Parce que c'est le seul que j'ai pour l'instant. Normalement, j'ai d'autres tracteurs qui vont bientôt arriver. Ah, tu veux t'en acheter d'autres? Ah oui, là, j'ai un Fendt 724. Ouais. Un Puma 135 qui arrive. 185. Oh tu vas être équipé, Et genre trois après. tracteurs pour toi seul, tu vas être tranquille ou tu vas pouvoir recruter là, je te Ah le non, dis moi. j'ai normalement je vais mettre en ouvrier normalement. Ah oui ouais d'accord ouais.
C'est pour moi ça. je pense 3-4 tracteurs pour l'instant et après Ouais, ça suffit une largement pour moissonneuse, l'instant. une ensileuse et voilà. Tu vois la capacité là à laquelle tu es pour l'instant ou pas? Ouais, mais il peut encore en mettre. Ah ouais, bah c'est pas mal ça en tout cas. Ouais, Jiden, je vais Ouais, prendre la relève, tu peux descendre si tu veux. là, je peux finir premier Ouais, niveau, vas-y, 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 finis le godet, ouais, quand même. ok. Tranquillement. Ça va, tu l'as bien pris en main, hein? Oui, bah oui, quand même, c'est pas compliqué. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est pas Ça va, en plus, compliqué tu me pour fais un beau jouer. chargement là, tu m'équilibres tout bien. Ouais, Bah, ça nous bah aura quand même j'essaye. calmé un petit peu le tas de fumier là. On en aura perdu un petit peu. On en a perdu un peu, mais bon, il y en a encore à mettre, quoi. Vas-y, je te Ouais, laisse, je vas-y, descends. vas-y. Attends, je me prends la main. Vas-y, pas de soucis, t'inquiète. Vas-y. Merci. Hop. Alors, nickel, il me l'a laissé comment? Vas-y. Je vais enlever les warnings. Voilà, les feux, c'est pas la peine. Voilà, parfait. Ah, effectivement, c'est un peu étroit là. Mais bon, quand on a le coup, ça passe. Allez, on va finir tout ça. Comme ça, on va pouvoir faire ça. Après, il nous amènera. Bah là, je sais pas, il est 4h45, ça va. Comme ça, après, il pourra nous amener du coup bah, le petit déchaumeur. Ça passe. Ouais, faites gaffe, les gars. Poussez-vous. Nickel. Ouais, Domi. Ouais. Ouais, du coup, tu peux aller au champ et puis après, pas peine de revenir à la ferme, tu vas directement chercher le déchaumeur, le JD, si tu veux. Ah oui. C'est bon? Marche. Bah, tout de suite, bon courage, si t'as un problème, tu m'appelles. Ouais. Ciao. Ok, ça marche. Allez, nickel, comme ça, nous, on va aller... il est où Ah, il est là, Dylan. On va décharger un petit peu le plateau de bottes. Le godet, enfin, ouais, la fourche, elle est là, c'est parfait. Dylan, je sais pas s'il Ouais. m'entend. Ouais. Tu pourrais me dételer le godet là, je vais m'avancer. Ouais, vas-y. Vas-y. Hop, on va se mettre là. Et ça. Bah, Idylan, tu peux là. Hop, je le pose. C'est bon, vas-y. Nickel, parfait, merci. Tu pourrais me rateler l'autre par la même occasion? Ouais. Sur moi, personne derrière. On le voit un petit peu à le rétro. Vas-y, avance. Fais le poteau. Ouais, quand même, au cas où. Attends, vas-y. Nickel, parfait. Voilà. Euh, Et je après, peux te tu vas le laisser faire, voilà. décharger? Enfin, dételle les sangles et après, ah bah c'est déjà fait, parfait. Bah Bah, attends, descends, moi, c'est bon. je descends et puis je te laisse charger, c'est bon? Ouais, bah, vas-y, on fait ça. Vas-y, vas-y. Vas-y, Allez, ok. Bon, parfait. bah, à tout à l'heure, Ouais, alors. à toute. Up my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Bah, c'est parfait, Dylan a bientôt vidé, on va aller du coup ranger le plateau. J'attends que normalement Domi devrait arriver. C'est quand même bizarre qu'il soit pas encore arrivé. Ah bah le v'là. Mais what, il est pas venu avec le. Avec les. Le déchaumeur? Attends, je vais descendre. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Domi? Ouais, ah Michael, un petit problème, un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a volé le gendarme.